films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. It's from my Aunt Martha. Dear Fiona, help. After 48 years living in Paris, they want me to move to an old people's home. Ridiculous. I'm only 88. Je cherche ma tante Martha. Photo? OK. Bonsoir. Quand on commence à écrire, et c'est le cas maintenant pour le prochain, on a souvent plusieurs idées. Ici, on voulait faire un film, en tout cas, plus physique, plus burlesque, plus ce qui ne veut pas dire spécialement grosse rigolade, hein, mais on n'est pas trop lié à la dramaturgie d'un scénario, mais on peut se permettre des écarts, des jeux physiques et une légèreté. On voulait surtout que le public rencontre des gens remarquables, remarquables dans le sens de différemment beaux, enfin des gens qui ont des gueules ou qui des gens qui nous touchent, nous. Quand on joue sur scène, on vient de la scène, le rire, d'abord, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Il y a des timings. Et que si ça fait rire, on peut répéter. Et puis ça fait rire et on change un détail, etc. Et on bâtit comme ça avec la complicité des spectateurs. En cinéma, on ne sait pas. Donc on a juste notre... on devine, on essaye de deviner, on se plante parfois. Et puis après, il y a l'expérience donc, de ces années de planche et ces années de création cinématographique où on se dit, ouais, allez, on va essayer ça, mais... De pays en pays, souvent, ça se répète. C'est-à-dire que c'est pas... c'est un peu les intensités qui varient, peut-être dans le nord de la Belgique ou en Hollande, en Allemagne, ça va être... Les gens sont moins expressifs. En Finlande, par exemple, notre ami Koris Maki disait toujours que là-bas, les gens, ils parlent pas, quoi. Mais c'est pas qu'ils aiment pas, c'est juste cette espèce d'intensité, elle est à des paliers différents, mais les trous, les faiblesses, elles seront souvent pareilles partout. Et aussi les choses réussites. Dans notre film, dans nos films à nous, c'est comme ça, parce que ils sont pas trop, on s'appuie pas trop sur les références culturelles. Souvent, les comédies, ils voyagent mal parce qu'ils sont très culturels, mais nous, pas trop. C'est un mélange d'improvisation et d'écriture. Et quand on a une idée comme ça, comme par exemple le rêve, dans ce film-ci, le split screen avec deux personnes qui rêvent l'une de l'autre, il faut l'essayer. Quand à un moment, on prend la caméra, on la met sur un pied, on se met par terre et on commence à rêver. Et puis, c'est beaucoup d'essais. Et beaucoup de... il faut essayer d'être attentif aux 3 secondes qui sont bonnes dans 3 minutes d'improvisation qui ne sont pas bonnes. Et puis on se dit, oui, mais ça c'est bien, donc il faut avoir confiance, quoi. Et petit à petit, on bâtit les événements comme ça, comme la danse, le tango, c'est pareil. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est la digression qui nous intéresse beaucoup plus que l'histoire. Donc finalement, l'idée nous importe peu. Même s'il y a certaines idées qu'on a trouvées dans le passé qui nous portent plus que d'autres, hein, on ne sait pas ça d'avance. On choisit un petit peu, on met nos mains dans le cambouis, on sort une idée, ok, on essaie et puis on le suit. On ne savait pas trop qui prendre parce qu'on ne la connaissait pas bien, elle, et on l'avait vue dans des rôles dramatiques, on l'appréciait beaucoup, évidemment. Et après, c'est quelqu'un qui nous a dit, regardez cette vidéo qu'elle a faite pour le Times, pour un journal américain à l'occasion des Oscars. Et il y avait des musiques, elle dansait, elle faisait Chaplin, elle déconnait, quoi. Mais avec une grâce, avec une légèreté qui nous a tout de suite parlé. On s'est dit, oui, elle peut le faire. Et voilà. Et après, Pierre Richard, en fait, on avait Pierre Etex en tête. Mais alors, il était souffrant au premier jour de tournage et on a dû rebondir très vite. Quelqu'un nous a dit, pourquoi pas Pierre Richard? On a dit, oui, mais Pierre Richard, bon. Et puis, on lui a envoyé 6 phrases pour décrire le projet. Et il a dit, il a réfléchi 6 minutes, il a dit oui. Et il a dit, je vous donne 3 jours.
notre âme ou notre imaginaire passe vers l'imaginaire et l'âme des spectateurs sans passer spécialement par là, quoi. D'abord par là. Et on a envie que les gens vivent nos films un peu comme on peut vivre un moment particulier dans la vie, même si parfois on est beaucoup plus grand que la vie. C'est cette sensation qu'on aimerait bien recréer, de trouver dans un instant quelque chose de poétique et qui n'est pas lié au temps, où le temps s'arrête et on ne doit pas forcément rire, mais que ça reste imprimé dans l'esprit. C'est ça qu'on cherche. Le curseur de la création, chez nous, il est plutôt vers la fabrication. Et ça, on partage ça avec des gens comme Keaton, Tati, Chaplin et tous les autres. Et c'est pourquoi pas, c'est un cinéma qui a d'ailleurs eu son apogée et ses années de gloire. Mmh. Mais c'est juste tellement rare maintenant que les gens ne font pas... Enfin, ils se méfient pas mal. Et puisque l'argent vient, si le texte est convaincant, les comités de lecture servent à ça, c'est toujours compliqué. Soit on peut plaire commercialement, et si ce n'est pas le cas, il faut que les intellectuels trouvent que ça vaut le coup de voir ça. Et nous, on se trouve dans cette zone un peu, dans un style un peu naïf, et pas très cérébral, pas cérébral du tout d'ailleurs, mais qu'on trouve a une valeur. La mode depuis déjà un certain temps est dans le pessimisme et la noirceur, le sarcasme, tout ça. Et nous, on n'est pas là, on est dans la légèreté. Et en art, la légèreté, c'est souvent synonyme d'inconséquence. Enfin, parfois, en tout cas. Et donc, parfois, on lutte contre ça et on a l'impression d'être des indépendants ou des résistants à ce niveau-là.